Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc il est 11h48, je prends temps, j'ai un poil. Donc ce week-end c'était mon birthday anniversaire. Happy birthday to me. Et donc du coup les filles sont venues hier avec DJ, donc on a passé le week-end à tout préparer. Je vais vous montrer mes cadeaux après, je les ai laissés sur la table en attendant. On a passé un super moment, on a bien rigolé, franchement c'était génial, on s'est vraiment bien amusé, c'était une super journée. Donc voilà, pour aujourd'hui j'ai pas grand chose à vous dire, j'attends le facteur là, qui doit ramener mon colis Chine, peut-être le colis de Maryse. Et Gérald est en congé, il est juste là. Donc voilà. Donc aujourd'hui, glandage, puisque je vais jouer un peu. J'ai pas joué et il faut que je teste un de mes cadeaux d'anniversaire, celui de Manon, je vais vous montrer. J'ai la kiné. Sam finit plus tôt, il n'a pas cours demain, mercredi non plus. Et voilà, donc ouais, aujourd'hui, je vais pas faire grand chose. Demain, il faut que je filme. D'abord que j'aille ranger mon bureau, puisqu'on a utilisé mon bureau pour mettre ici en bas pour hier. Donc il faut que j'aille ranger mon bureau aujourd'hui et ranger encore un peu en bas. Quoi que ça va, il ne reste plus grand chose à faire là. Il faut ranger la table du jardin par contre. Donc voilà. Après, ça va être sieste et glandage. J'ai super bien dormi cette nuit. Je suis montée me coucher à 20h45. Avant 9h, j'étais dans le pieu et je me suis réveillée. Il était 5h30. J'ai fait 8 heures de dodo, les gens. C'est rare, ça, mais ça fait du bien, vraiment du bien. Donc voilà, j'ai reçu hier le mail de chez Sephora pour aller chercher mon cadeau d'anniversaire. C'est une crème hydratante de 30 ml. Donc je vais aller la chercher. L'année dernière, je n'ai pas été le chercher parce que je ne sais plus c'était quoi, mais là, je vais aller le chercher. Et j'ai reçu aussi un bon de 10% chez DM. Donc comme il faut que j'y aille pour préparer le concours des 5000 qui arrive à le grand pas maintenant. Donc je vais essayer d'en profiter, il faut y aller dans les 30 jours. Et voilà. Donc là je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus. Alors c'est que les cadeaux des filles. Sweet Cherry, je vous ai déjà dit, m'avait offert encore Kling Assise sur PS. Et bah, la famille, j'ai encore vu personne. Donc voilà. De toute façon, dans la famille, il n'y a pas grand monde qui me fait des cadeaux à part mon frère et mes beaux-parents et ma belle-sœur et mon beau-frère. Le reste, j'ai pas de cadeaux, donc ça sera vite expédié. Mais voilà, je ne sais pas quand est-ce que je les verrai, mais enfin, ça ne verrait pas de toute façon. Et cette semaine, il n'y a rien de prévu. Donc voilà. Je vous montre tout de suite mes cadeaux et on pourra switcher le jeu. Alors, de la part de Enzo et sa copine, j'ai reçu un paquet de Big Cheetos, des chips de chocolat, j'ai le droit de goûter, je ne connais pas du tout, une boîte de célébration, c'est trop bon, je lui ai dit que j'ai envie de chocolat, donc voilà, et du chocolat à 62%, du cacao noir, parce que j'ai envie de chocolat noir en ce moment, et framboises et crêpes dentelles, ça doit être super bon, et puis une petite licorne lumineuse, elle fait de la loupiote. Regardez comme c'est mignon. Voilà. Amy, en plus du... elle m'a fait une carte cadeau Play Store. J'ai eu un paquet de chocobons. Miam, miam. Des patchs pour les yeux au cucumber. Et trois masques comme ça. Je ne les ai jamais vus passer. Donc, il y a le Relax Detox. C'est au kombucha et au gingembre. Miam, miam. Ça va sentir super bon ça. Ici, champignon, turmeric. Enfin, ouais, c'est une racine ou je sais plus quoi. C'est le boost, le Hills Boost. Et pumpkin. Alors, le pumpkin, j'adore. Et le blend, c'est à l'açaï. Et ça, je ne sais pas c'est quoi. Il va pas faire le focus. Hein. Bolt, c'est ça? Non. Beat. Ah, attendez, j'essaie qu'il focus, mais il veut pas. Il ne veut pas. Hein. Non, il veut vendre. Ah voilà. Voilà. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Donc ça c'était de la part de Amy. De DJ. Alors déjà j'ai eu trois boîtes de café Starbucks. Miam miam.
Donc il y a les latte macchiato classiques, les caramels et les vanilles. Donc il y en a deux que j'ai pas goûté sur le lot. Je crois que moi je bois les caramels, logiquement. Les vanilles, je voulais absolument les goûter. Et ceux-là, les classiques. Et un coffret Yves Rocher. Alors c'est avoine et sarrasin. Et bordel, qu'est-ce que ça sent bon. Donc il y a un bain douche réconfortant de 400 ml. Il y a le lait pour le corps qui fait 390 ml. Et la crème pour les mains, voilà, plus que classique le format. Et à la coco, ici, gommage corps de 150 ml et une brume parfumée corps et cheveux de, je ne sais pas, je ne vois pas. Mais ça doit être 100 ml. Il sent super bon le truc, super bon. Franchement, j'en reviens pas. Et de Manon, alors j'ai eu un brownies, miam miam. Et j'ai eu une nouvelle manette pour pouvoir jouer et geeker. Voilà, donc c'est celle-ci, j'ai laissé la boîte exprès pour vous montrer. Et regardez la loupiote, moi je vais m'allumer la PS normalement, mais elle fait plein de loupiotes. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Si elle veut bien s'allumer, hein. Je ne sais pas. Regardez, c'est tout là-bas. J'attends. Voilà, voilà, voilà. Il faudra que je donne la PS après. Et elle m'a offert un bracelet purlet que j'avais craqué dessus, qu'elle avait eu dans son calendrier de l'avant. Et c'est celui-ci. Alors vous n'allez pas voir, je l'ai déjà mis. Il y a trois petites pampilles brillantes. Donc il y en a une juste. Attendez. J'essaye de le mettre comme il faut. Voilà. Il y en a une juste ici. S'il peut bien faire le focus, encore une fois. Voilà. Il y en a trois comme ça, il y en a encore une là et une juste à attache parce que j'ai dû le raccourcir, il était trop long. Mais je lui avais dit qu'il était trop beau quand elle l'a déballé dans le calendrier et du coup elle me l'a offert. C'est trop beau. Voilà. Donc voilà pour mes petits cadeaux d'anniversaire de la part des filles. C'est trop mignon, c'est trop gentil. Plus la journée qu'on a passée, c'était génial. Et voilà. Donc sur ce, on peut switcher de jour. Alors, je vous filme avec le téléphone parce que je dois charger la batterie de mon appareil. J'ai dû couper ma vidéo entre-temps. Je vais mettre mes mails comme ça, c'est un peu plus clair. Il est 7h25 j'ai déjà filmé ce make-up. Et j'étais en train de tourner les produits terminés, sauf que la batterie a coupé au début. Et que les chiens sont déjà infernaux. Je me suis dit, je vais filmer tôt, super tôt. Comme ça, je suis tranquille, les chiens. Parce qu'en principe, le matin, ils redorment. Quand on se lève, ils redorment jusqu'à ce que ce soit l'heure de manger, à peu près. Ben là, non. Ils foutent déjà le bordel. Elle est déjà venue foutre le bordel en haut. Arrête de me mordre, petit con. Non, tu veux monter juste pour être près de Riley. J'ai Miss Patate qui est là à côté. Lui, il veut grimper maintenant parce qu'il essaye de la zip-zik. Donc voilà, super. On adore. Du coup, il me mord. Quoi? Donc voilà. Aujourd'hui, je reçois le colis de Maryse. Donc je vous reprendrai tout à l'heure pour filmer ça. Comme ça, après, je refais charger mon téléphone. Ah, t'allais pas te mouiller, en plus. Mon appareil jusqu'à ce que le facteur arrive. Et je reçois aussi mon tissu mondial, tissu pour, j'allais dire mondial, ouais, pour mon canapé. Donc, je ferai ça probablement après la sieste. Parce que, bon, j'ai été me coucher, j'ai bien dormi encore. Hein, j'ai dormi 8 heures. Encore. Incroyable. après lui il m'a fait chier hein, toute la nuit, hein. Il n'a pas arrêté de bouger, de me tirer les cheveux. Et ah oui, il faut que je monte un coussin pour mettre au-dessus de mon oreiller pour qu'il se couche sur le coussin et pas sur ma tête. Je ne sais plus ce que je disais. Donc il va falloir que j'aille me recoucher parce que je suis quand même réveillée depuis 5h moins le quart. Je crois que c'est ça, mais j'ai été me coucher à 20h30. Voilà, 20h30, 20h45, je crois qu'à 21h je dormais, ou 10h moins le quart, je ne sais plus maintenant. J'ai joué un peu hier soir quand même, pour tester la manette que Manon m'avait, qui fonctionne très bien d'ailleurs au passage, et qui est très jolie avec ses petits coups de pilote.
J'ai pas joué longtemps, j'ai dû jouer une demi-heure. J'ai fini la quête principale sur laquelle j'étais. Riley, arrête de lécher! Sur laquelle j'étais, puisque j'avais dû couper en plein milieu d'une quête. Et j'ai achevé ma quête, en fait. Comme ça, j'aime pas couper en plein milieu d'une quête. J'aime bien finir mes quêtes. Bref. La vie est compliquée. Oh là là. Pour les deux, hein. La vie est tellement compliquée pour ces pauvres chiens. Donc je vous reprendrai après quand le facteur sera passé. J'espère qu'il va passer tôt. Pas comme c'est quand la dernière fois que je l'ai passé super tard. C'est hier. Il m'a amené le colis Chine à 11h30 à la place de 10h30. Normalement il vient vers 10h30 et là non. Ah bref. Ouais. J'ai rien d'autre à vous dire, je pense, jusqu'à ce que je reçoive le colis de Marie, si j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans, encore une fois. Et j'ai hâte de faire de mettre mon canapé en ordre aussi, donc voilà. Mais là pour l'instant je vais attendre que ma batterie recharge un petit peu, donc je vais boire mon café tranquille. En attendant que ça charge. J'ai enfilé un gilet parce que je suis gelée. En haut j'ai le petit chauffage juste à côté de mes fesses, mais là ici c'est pas le cas. Donc je vais mettre un petit gilet en attendant. Ce que je dis. Et voilà. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Alors, il est 10h05. Oui, j'ai remis mon pull, hein, parce que j'ai un peu froid. J'ai enlevé mon bandeau aussi parce qu'il me faisait mal les oreilles. Je viens de recevoir le colis de Marie. Et le tissu, mais ça, vous verrez demain. Je vous montrerai le canapé demain. Parce que là, je vais me coucher après ça. Donc, je vous montre. Voilà. Marie, quoi. Je crois que vous commencez à avoir autant l'habitude que moi, les colis de Marie. Donc, je prends, comme ça vient, j'ai juste enlevé les papiers bulles de protection qui étaient au-dessus. Donc, voilà, je ne sais pas du tout. Là, c'est une lanterne. Ça doit être solaire en plus. Donc, ça, c'est top. Oh, c'est avec des bambis. Je ne sais pas si vous voyez en... Je pense que c'est solaire. J'arrive pas à choper le truc. Non, c'est éteint. Ouais, bordel de cul. Ça, bah, il y a un faux contact. C'est superbe. Oh, c'est beau. Il sera très beau en déco de fond. En automne. Alors, attendez, je trouve plus le bouton, je prends pas le bouton. Voilà, c'est superbe. Et il y a la petite poignée que je vais remettre au fouet pour pas la perdre. Ça, c'est très joli, j'aime beaucoup, c'est très beau. Alors ici dans la frigolite on a une tasse. Le bruit de la frigolite avec la cuillère. Comme ça. Hello Sunshine avec le petit couvercle. Donc, je vais la passer un coup au lave-vaisselle. J'aime bien ce format en plus. Donc, je vais pouvoir la mettre au lave-vaisselle pour l'utiliser. C'est des bambis. Elle aime beaucoup manger des bambis. Alors, non mais t'es tarée Maryse. La volume 5. Bon, d'accord, c'est la sienne. Hein. Donc elle a été utilisée, mais... Il manque plus que la quête. Elle l'a mis en vente sur, sur Winted. Sur Vinted, et je l'avais mis dans mes favoris parce que je m'étais dit quand j'aurai un petit budget que je sais pas trop quoi en faire, je lui achèterai. Merci Marise. Elle mériterait des claques. Là, à mon avis, elle est folle. Ici, on a un petit coffret.
Alors, il y a un pas de vis là au-dessus. Le coffret est très classe, c'est très beau. Je ne sais pas où qu'elle trouve tout ça. Hein, ça. Donc, il y a un petit pas de vis, c'est pour mettre ceci, en fait. Et le coffret, c'est tout dérangé. Donc, c'est Monopoly. Alors, je ne connais pas du tout. Il faut alors que je trouve un... Oh, il y a même des petits bois dessinés dans sur le raisin. Je ne sais pas si vous allez bien voir. S'il veut bien me faire le focus à un moment donné, là. Est très beau. Oh là 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 là, mais c'est magnifique, regardez. Bon, après c'est un peu chiant parce qu'on ne sait pas les différencier des teintes, mais c'est tellement beau quoi. Il y a un rouge. Je vais peut-être regarder les teintes. Un rouge un peu plus sang. Bon, très beau rouge. Un rouge un peu plus brique ici. Bah, vous les voyez peut-être un peu pareil. Hein. C'est des petits sous-tons hein, qui changent. C'est pas non plus des grosses teintes super différentes. Ah, ici, on a plus un rouge corail. Un corail foncé, même carrément. Oh, où soyez-vous ? Attendez, celui-là, je le swatch. Oh, c'est très beau ça. J'aime beaucoup ce genre de teinte. Oh, c'est magnifique. À chaque fois, elle me trouve de ces trucs avec des serres. Un marronné. Donc, Riley. Plus Bordeaux. Attendez, celui-là, je le swatch aussi. Bon, il y a principalement des teintes rouges. Bon, celui-ci, il avait un petit coup dans la gueule. Il est carré. Oh, celui-ci est beau. Magnifique. Magnifique. Le coffret est sublime. Waouh! Attendez, je vais enlever. Il y a un papier de protection, là, un plastique de protection dessus. Je vais l'enlever et on va mettre le petit cerf qui va au-dessus. C'est sublime. Elle trouve toujours de ces trucs. La dernière fois, elle m'avait trouvé un coffret complet. J'ai mis au Bambi. Après, c'est ce que j'aime. Hein. Oui, non, ils se sont pas calmés depuis tout à l'heure. Hein. Ils sont en train de filmer, ils ont foutu bordel. Ben, ça va pas changer. Bon, il est trop chou. J'avais. Oh, c'est beau. Même en déco, hein. Super. Je ne sais pas où qu'elle trouve tout ça. Un autre... je sais pas comment ça s'appelle. C'est des cadres. C'est un genre de cadre, mais en métal, comme ça. Ah, mais... Ouais, il est coloré. Ah, j'avais pas vu les détails, vous voyez? Ouais, vous voyez bien. Et ça, sur, bah, j'ai l'autre au-dessus du canapé, là, sur un mur, c'est vraiment topissime. Je vais le mettre là, je pense. J'ai enlevé le cadre qui était là, justement. Donc, je vais le mettre là après. Et pour terminer, on a une couverture. Alors, je suppose que c'est avec un Bambi. Alors, vous voyez, c'est un plaid, hein. Vous voyez pas, mais c'est un grand plaid en plus. Oh, magnifique.
sublime. Il est vraiment magnifique. Il est doux. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Donc voilà pour le colis d'anniversaire de la part de Marie. Elle est complètement folle. Riley, il n'y a rien pour toi, tu peux descendre. Merci bien. Ben ma petite Marie, je te dis mille merci. C'est magnifique. Tout est sublime. Oh là 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 là. Bon bah du coup il y aura un petit swatch de make-up aussi. Je ne sais pas quand. Oh là là, cette teinte là, elle a l'air juste trop belle. Ça aussi c'est beau. Oh là là, celle-là. Il y en a qui ont vraiment l'air magnifique. Sublime. Oh, le marron là avec des petites paillettes aussi. Superbe. Bah du coup, il ne manque plus que la 4 et j'ai toute la collection, quoi. Donc voilà, mais franchement, la 5 m'intéressait, c'est celle qui m'intéressait le plus sur celle qui me manquait, la 4 et la 5, quoi. Je ne sais plus trop à quoi ressemble la 4. Il me semble qu'elle est plus nude, hein, dans les teintes roses et nude, comme ça, non ? Je ne sais plus. Enfin bref. Donc je te dis mille merci. Merci de toujours penser à moi et tout. Mes rouges à lèvres, bon, je testerai ça au fur et à mesure des vidéos make-up. Et voilà. Donc je vais t'envoyer un petit message tout de suite pour te remercier encore. Et voilà. Elle est adorable, hein. Franchement, elle est vraiment adorable. Chaque fois, elle n'oublie jamais mon anniversaire, Noël et tout. Voilà, comme quoi on crée des liens des fois avec ses abonnés assez particuliers. Et Marie en fait largement partie. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi sur ce, je vais me coucher. Je suis crevée. Là, je suis vraiment crevée. En plus, les chiens m'énervent. Je vais aller me coucher. Je ferai le canapé tout à l'heure et je vous montrerai le rendu demain. Je vous montrerai le tissu aussi, comme ça je le laisse emballer jusqu'à tout à l'heure. Ah ouais, non, j'ai pas 5 minutes de paix, moi, ici. Hein, c'est un truc de fou, quand même. Et, ah, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon facteur. Parce qu'il a vu que c'était marqué bon anniversaire sur mon truc et il m'a souhaité bon anniversaire. Puis il m'a dit, bah, moi, c'est aujourd'hui. Donc, voilà. Voilà. Donc, Marise, merci du fond du cœur. Et sur ce, on suit le jour. Alors, il est 9h37, oui, je vous ai pas pris hier parce que j'ai dormi toute la journée. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas baillé en vlog, je crois. J'ai dormi toute la journée, je suis pas bien de nouveau là, je suis pas trac. Je couvre quelque chose, je suis gelée, j'ai tout le temps mal la tête, là j'ai mal la tête encore. Mais là, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Merci, Riley. J'ai eu du mal à m'endormir. J'ai été me coucher à minuit. Elle me réveille à 3h du matin. J'ai été me recoucher à 4h30. Mon réveil a sonné à 6h30, mais j'ai déjà mis presque une heure à me rendormir. Et j'ai été me recoucher quand Sam est parti à 7h15. Et Ryan m'a réveillé à 8h30. Donc, voilà, j'ai pas... J'ai fait une nuit de merde. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ben là, c'est arrivé. C'est de la faute de l'Emmy. Hier, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, putain, mamie, j'ai pensé à toi. Je me suis réveillée à 3h30 du matin. Mais moi, ça faisait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé. Et ben du coup, voilà. Elle a pensé à moi. C'est arrivé. Hier, j'ai pas reçu mon colis Temu. Qui est marqué sur le site de Temu en cours de livraison. Sur colis privé, c'est toujours pas marqué. Donc j'espère l'avoir aujourd'hui. J'attends aussi. Hier, j'ai commandé le cadeau d'anniversaire de ma belle-sœur. Je le reçois en trois parties. Deux aujourd'hui et un demain. Samedi, alors que j'ai tout commandé en même temps. C'est vraiment débile. Donc là, j'attends le facteur pour le premier colis. J'ai le facteur qui repasse ce soir pour le deuxième colis et samedi pour le dernier colis. Heureusement, samedi, je reste à la maison, je ne bouge pas puisque chéri doit aider son frère à déménager. Donc, moi, je vais rester à la maison hein, parce que je ne vais pas être d'une grande aide. Donc, voilà. Et j'ai fait mon canapé. Alors, ça se voit déjà plus. Heureusement que j'ai pensé à vous filmer quand je venais de mettre le tissu et tout. Mais je trouve que ça rend super bien.
Donc voilà, je vous incruste les petites images que j'ai filmées quand je venais d'installer le bâtard. Les nouveaux vernis Madame Gamme sont arrivés en Belgique, donc après je referai mes ongles. Je vais pas faire la pose américaine cette fois-ci. Ce que je vais faire, je vais prendre les tips que je mettais pour l'acrylique, donc qui se collent juste sur le bout des ongles. Comme ça, je le couperai au fur et à mesure si ça saute pas. Hein, je vous garantis pas que ça va tenir. Parce que bon, avant j'avais l'acrylique par-dessus pour bien les maintenir. Là, je vais essayer avec juste un petit peu de gummy base. Donc on verra bien. Mais celui-ci, il répique de plus en plus. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais j'ai de nouveau une épaisseur en dessous. Alors je vais essayer de bien gratter. J'ai l'impression qu'il rabique de plus en plus. Je ne sais pas si c'est moi, mais je pense qu'à un moment il va tomber celui-là. On verra bien, écoutez. Hein. C'est le seul hein, qui merde encore un peu. Donc je reviens. Je continue de toute façon de soigner hein, et de prendre mes cachets, puisque je ne sais pas du tout où ça en est. Mais je pense quand même que c'est quasi terminé, à part cet ongle-là. Mais je pense que je me suis blessée à force de curer en dessous. Je pense que je me suis blessée et que du coup ça a saigné un peu et que ça a fait une croûte. Donc on verra bien. Ici aussi il reste encore un peu d'épaisseur en dessous. Mais ça c'est de la peau. De la peau sèche. Vous savez, à force d'arracher ma peau, ben, le bord a séché. Et je le sens quand je touche que c'est vraiment la peau. Donc voilà. Mais au moins ça va mieux. Et j'essayerai l'astuce avec les petits tips que je mettais pour l'acrylique. Parce que j'en ai encore plein, mais je n'ai plus d'acrylique avec la pose américaine. Et de toute façon, mes ongles sont poussent assez... Normalement, j'ai les ongles longs naturellement, donc je fais sur mes ongles directement. Donc voilà, aujourd'hui je voulais filmer le haul, mais comme j'ai pas reçu le colis hier, je vais pas filmer aujourd'hui. Je vais essayer de me reposer un peu... Je vais quand même essayer d'attendre au moins après le repas pour faire ma sieste. Je sais pas. Franchement, je suis flagada. Je suis fatiguée, je suis crevée, je suis épuisée. Sinon, je pense que j'avais rien d'autre à vous dire. Normalement, je vais aller chez ma mère ce soir déposer le fauteuil d'Enzo. Enzo a prêté son fauteuil de bureau pour jouer à la PS hein, à Sam. Donc Sam a enlevé son vieux fauteuil de bureau qu'il a mis dans le salon du deuxième étage en attendant parce que l'autre il lui fait mal au cul. Mais chérie a été au conteneur et il était tellement motivé qu'il a embarqué la chaise de Sam aussi. Donc ça veut dire que Sam n'a plus de fauteuil puisqu'on doit ramener celle de Enzo chez ma mère. Donc Enzo, Sam n'aura plus de fauteuil. Alors je dis, bah, t'as quatre solutions. Soit tu prends une chaise en bois, soit une en plastique de jardin, soit le pouf, parce qu'il y a un pouf en haut, un grand pouf, hein, donc il pourrait même s'allonger dessus. D'ailleurs, quand il était petit, il dormait dessus dans le jardin d'eau. En mettant des coussins contre le mur, j'ai ou alors tu prends mon fauteuil comme j'ai ici, j'ai le même en haut, et j'ai moi je filmerai sur un tabouret, c'est pas très 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 grave, parce que là on ne sait pas aller le rechercher une tout de suite de toute façon. Donc je pense qu'il prendra mon fauteuil. Les chiens sont en train de foutre le bordel en haut. Riley m'a réveillée à 3h du matin, je ne sais pas pourquoi. Elle est extrêmement chiante en ce moment là. Elle s'est un peu calmée. Bah, c'est quand que j'ai dû la claquer au sol, c'est hier. Hier et avant-hier. Je l'ai claquée au sol, hein, clairement. Je l'ai pas maltraitée. Hein. Mais elle arrête pas d'attaquer Yuki en ce moment. Dès qu'elle sent une odeur de bouffe, bam, elle attaque. Elle lui fait mal, donc... Je la prends par la peau du cou et je la couche par terre. Mais même moi, elle me grogne dessus et elle essaye de me mordre les mains. Donc franchement, c'est la première fois que je vois un chien aussi têtu et aussi dominant. Ouais. Elle attaque comme ça que Yuki, hein, avec le gros, et par contre, elle ose pas. Hein. Donc voilà, bon là, je vais quand même aller fermer ma porte extérieure parce que j'aérais un peu, mais je commence à me les geler avec la fatigue. J'ai rallumé mon poêle aussi un petit peu. Je pense que je vais jouer un peu pour essayer de me tenir éveillé. Je sais, franchement, je sais pas quoi faire. J'ai fait tout mon montage. C'est hier que j'ai fait tout mon montage ou avant-hier? Non, hier. C'est hier matin. J'ai fait. J'ai monté mes vidéos.
J'ai uploadé mes vidéos, j'ai fait mes miniatures, tout ça, tout ça. J'ai pas arrêté. Entre les phases où je dormais, j'ai pas arrêté hier. J'ai rangé. Enfin, là, ça se voit déjà plus sur la table parce qu'il y a la housse de couette pour aller refaire le lit. Et il y a mon plaid qui traîne sur la table parce que je l'ai pas rangé hier soir. Il faudrait que je fasse un peu sortir les chichous aussi. Oh, mais je suis tellement pas bien là. Que je ne fais que dormir, donc je suis toute décalée et eux sont tout décalés aussi. Là, il reste une semaine d'école à Georges. Et puis après, il y a 2 semaines de congé, donc je vais essayer d'en profiter pour dormir. Moi, je dis ça, mais hein, vous savez comment c'est. Et puis après, il a 5 semaines de cours. Et puis la semaine juste avant les congés, il part en Allemagne 1 semaine avec l'école. Et puis après, il a 2 semaines de congé. Donc il est content. Voilà. Et mon colis ne bouge toujours pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, j'étais en train de regarder pour re-télécharger OBS Studio sur mon Mac, que j'avais avant, hein, sans aucun souci. Je l'utilisais avant. Pour si je veux faire des lives jeux pour pouvoir... parce qu'en fait, je peux les faire directement de la PlayStation. Mais alors, à ce moment-là, vous ne voyez pas ma face. Et je sais que vous n'aimez pas quand vous ne voyez pas ma face. Mais écoutez, j'ai pas d'autre solution. Ça sera comme ça. Donc voilà. Si je veux faire un live jeu, ça se passera sans ma face. Parce que du coup, comme j'attends le jeu Dragon's Dogma 2, qui sort le 22 mars, je pense qu'on fera la découverte ensemble en live. Ça peut être sympa. Ça tombe à quel jour? C'est un vendredi, je crois. Ouais. Un vendredi. Donc ouais, ça peut être sympa de découvrir ensemble, que vous voyez la création de mon personnage et tout ça. Puis ça fait toujours un live où on discute en même temps ensemble du jeu et d'autres choses, quoi. Donc voilà, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Après, ça se trouve, s'il sort tôt le matin, j'aurais pas envie de vous attendre. Après, je peux faire le live l'après-midi aussi. Hein. Ou même le matin, et ceux qui veulent, on regarde la rediff après. Mais bon. On verra bien, on n'y est pas encore. Le 22 mars, c'est dans un mois et demi. Et je suis toujours en train de réfléchir pour la PS5. Je ne sais pas si je la prends maintenant ou si j'attends. Là, ça me fait chier. Elle est en promo chez la Slim Digital. Non, la Slim Digital, elle est en promo sur chez Micromania. Mais là, je ne peux pas la chercher maintenant, c'est juste impossible. Il faut vraiment que j'attende de faire mon remplissage des dents ou d'avoir la paye et que je joue avec chérie. Je sais pas. Donc je vais voir. Je vais réfléchir. Il faut que j'en parle avec lui, voir ce qu'il en pense lui. Si lui ça peut l'intéresser aussi qu'on ait la PS5 avant. Ou s'il n'y a que moi qui l'utiliserai. Je sais pas. Franchement, je suis un peu. Je sais pas. Là, j'ai vu que la palette Sea Horse de chez Adept, que je voulais, qui ressort chez Monolith, c'est Manon qui m'a partagé l'info. Et par contre, ouais, j'ai pas les sous non plus. 140 balles la palette. J'ai d'autres choses à payer en priorité, dont mes dents, la castration de Yuki, la PS5, le reste du bon jeu au mois de mars. Donc. C'est comme je lui ai dit, je ne suis pas en manque de phare à effet maintenant. Hein. J'en ai un bon petit paquet, donc tant pis. Hein. Parce que là, je ne vais pas foutre 140 balles maintenant dans la palette. C'est pas le moment. Il fallait bien qu'elle la ressorte maintenant. Elle ne pouvait pas attendre quelques mois. Non, il fallait qu'elle la sorte maintenant. Je crois que je dérange un petit peu les titis. Bon, allez, sur ce, ensuite, je joue. Je vais déjà vous donner le planning pour demain. J'ai un poil qui m'emmerde. Je ne sais pas. Je vais vous donner le planning pour la semaine prochaine. Alors, si j'arrive à la tourner, je ne suis pas sûre. Je vais essayer de la tourner demain si je suis moins fatiguée. Je voulais la tourner aujourd'hui, mais bon. Une palette à make-up avec la Norlina 5 que j'ai reçue dans le vlog que vous avez vu, vous, mardi. Lundi ou mardi, je ne sais plus. Enfin bref, que vous avez vu dans ce vlog. Une palette à make-up avec la Sorceress de Jolie Beauty mercredi, vendredi. Vous avez beaucoup de vidéos cette semaine. Si j'arrive à tourner, celle de lundi, c'est pas sûr. Hein, donc, ouais, voilà.
Vendredi, le hall Chinette ému, si je reçois un jour mon colis ému. Samedi, le Disney Challenge sur Alice au Pays des Merveilles, qui faut encore que je filme, j'ai pas encore filmé. Et dimanche, 5 vidéos cette semaine. 4 ou 5. Ça dépend de comment je suis lunée et fatiguée. Voilà. Je vous donne toujours le planning, mais sachez que c'est toujours à titre informatif, hein, que tout peut changer encore, puisque voilà, si j'ai pas reçu ma commande Temu à temps, ben, ça sera décalé. Donc la Norvina sera certainement décalée aussi. Du coup, vous n'aurez que 3 vidéos. Donc voilà, il n'y a que le Disney Challenge, le vlog, c'est sûr, puisque ça ne bouge pas, vu que dimanche c'est le vlog et samedi c'est avec Manon, donc ça reste là. Et la sorcerie, ça c'est sûr, puisqu'elle est déjà programmée. Voilà. Donc sur ce, on suit le jour. Alors, oh, oh. Il est. Je n'en sais foutre rien. Il est 8h47. Oh, mais il est tôt. Et les chiens foutent déjà le bordel. Je viens de filmer ce make-up que vous aurez lundi. Je viens de tourner le haul que vous aurez vendredi, me semble-t-il. Vous allez voir que c'est une passion nœud pour les cheveux en ce moment. Je vous ai prévenu. Voilà, là j'en ai acheté. J'aime trop. C'est trop beau. Vous verrez ça dans le haul, mais il y en a plusieurs. Voilà. Ça ne ceci vous étonne? Non, pas du tout. Donc, je vais jeter mes petits papiers pour vous embêter avec le bruit. Voilà. On dit merci qui? Je vais remettre mes binocles. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire pour clôturer ce vlog. Il y a juste que j'étais en train de me dire, si jamais ça peut vous intéresser qu'on se refasse une petite FAQ dans je ne sais pas combien de temps, quand j'aurai cette question, hein, tout simplement, je vous mets le formulaire en barre d'infos. Voilà, je partagerai également une story sur Insta. Et voilà, comme ça, je me suis dit, on pourrait se reprévoir une petite FAQ. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, pourquoi pas. Ah, on perd un papier. Et voilà, bah écoutez, j'ai pas grand-chose à vous dire. Ce soir, je vais chez ma mère, du coup, puisque je n'ai pas été hier, vu que je n'étais pas bien. Ce qui m'a permis de bien avancer sur mon jeu, n'est-ce pas ? J'essaie de finir les quêtes principales en priorité et comme ça je peux attaquer les add-ons avant que le jeu sorte en fin mars là. Donc on va voir. Il y avait un autre jeu qui me tentait bien, mais pareil, il sort exclusivement sur. Enfin, il est sorti parce qu'il date de 2023. Alors je croyais que c'était une nouveauté, mais il date de mai 2023. Donc il va déjà presque avoir un an. Enfin non, j'exagère, mais bon, il est sorti l'année dernière, quoi. Donc, il est aussi que sur PS5, donc voilà, je peux pas le prendre maintenant. Donc, j'attendrai qu'il soit dispo, je pense, dans le store plus, là, pour l'avoir gratos. Parce que c'est pas celui qui me tente le plus, donc voilà. Bah écoutez, moi je vais aller faire ce que j'ai à faire, monter le vlog déjà pour commencer. Je vais enlever mes petits nœuds parce que sinon je vais les garder pour dormir. Bon, je ne vais pas me coucher tout de suite, hein, on est d'accord, mais voilà. J'ai enlevé mes petits nœuds. Et ouais. J'ai rien de plus à vous dire. Mon compte Vinted sera débloqué à partir du 19. Donc j'espère qu'ils ne vont pas me faire sauter toutes mes annonces et devoir les replacer tout ça à cause d'une palette qu'on voit la transparence. Ça me ferait chier. Donc voilà. Franchement, il commence à me faire chier, Vinted, à faire sauter les annonces tout seul, là. Même les produits neufs, ils me les font sauter, des fois. Je comprends pas. Alors qu'ils fassent sauter dès qu'ils sont pas neufs, je peux à la limite comprendre, mais les neufs, non, je comprends pas. La dernière fois, c'était un t-shirt, comme quoi il ne remplissait pas les conditions. Je ne sais pas. Ils ont des... Leur truc automatique a l'air un peu défectueux. Surtout que je persiste et je signe. Si les gens achètent en connaissance de cause, en quoi ça les regarde?
C'est un site de seconde main, donc c'est normal qu'on revende des trucs déjà utilisés, que ce soit des fringues, du make-up, parce que même un parfum, vous ne pouvez pas le vendre s'il n'est pas neuf. Mais genre, vous achetez un parfum ou on vous offre un parfum, vous n'aimez pas l'odeur, vous voulez le revendre pour en acheter un autre, bah vous ne pouvez pas, alors que vous l'auriez utilisé une fois. Bref, une tête, quoi. Franchement, il est temps qu'ils aient un peu de concurrence. Je pense qu'ils seront un peu moins chiants. Il me semble qu'il y a déjà pas mal de plateformes qui commencent à sortir dans le même style. Il y a peut-être moins de monde dessus, donc pour l'instant, ils craignent pas grand-chose. Mais il serait temps que quelqu'un leur fasse un petit peu concurrence, je pense, pour qu'ils soient un petit peu moins chiants. Voilà, voilà. Bon, sur ce, moi, j'ai rien d'autre à vous dire, à part de laisser un pouce en l'air, de vous abonner, les ébogorvées. On se retrouve demain en vidéo bonus avec ce make-up pour demain pour vous. Et voilà, moi je vais aller profiter de ma dernière journée de calme avant le week-end. Et après, ce sera la dernière semaine de calme avant les vacances. Ah, 15 jours, je suis à la maison. Chouette. Ça va être bruyant. Donc voilà. Bon, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.